Ce week-end, Ambre Chalumeau, la chroniqueuse présente tous les soirs dans Quotidien, a été accusée de plagiat par l'actrice Racha Belmehdi. Sur TMC ce lundi 13 février, elle tient à rectifier la vérité. Depuis 2020, Ambre Chalumeau est présente dans Quotidien sur TMC pour faire sa chronique intitulée La BAC, la brigade des affaires culturelles. À seulement 25 ans, le travail de la fille de Laurent Chalumeau et d'Ariel Saraco séduit les équipes de l'émission et aussi les téléspectateurs. Mais voilà, en fin de semaine, la jeune femme a été accusée de plagiat par l'autrice, Racha Belmehdi à l'origine de l'ouvrage Rivalité, non féminin, suite à sa chronique présentée le jeudi 9 février et qui mettait en avant la rivalité entre Rachida Dati et Anne Hidalgo. Mon travail est devenu le sien, assurait-elle sur Instagram. Ambre Chalumeau clarifie la situation au lendemain de ses accusations. Ambre Chalumeau a tenu à clarifier la situation dans Quotidien. Après notre réunion, je commence mes recherches et je trouve plein d'articles sur ce thème, la rivalité des femmes en culture, parce qu'il a été beaucoup traité. Parmi lesquels, le livre en question. Je demande à le recevoir parce que j'envisageais peut-être de finir la chronique avec une récolecture pour ceux qui veulent aller plus loin. Si est-il un truc que je fais parfois, explique-t-elle avant de confirmer qu'elle a bien reçu le livre mais qu'elle ne l'a pas lu. Elle certifie que les exemples cités la semaine dernière ne viennent pas du livre, les films Eve et Quest il arrivé à Baby Jane, j'en ai déjà parlé dans une chronique il y a 6 mois. Blanche-Neige, si est-il un classique des textes sur la rivalité féminine et la beauté des femmes. Black Swan, si est-il un des premiers films qui sort quand on tape Movie Female Rivalry. La photo de Sophia Loren et Jane Mansfield, si est-il une photo mythique. Je n'aille pas utiliser ce livre sans le citer, contrairement à ce que l'autrice dit après avoir détaillé l'origine de tous ces exemples, Ambre Chalumeau confirme avoir compilé plusieurs sources et des connaissances personnelles, je n'aille pas utiliser ce livre sans le citer, contrairement à ce que l'autrice dit dans son post, promet-elle. Elle précise que l'éditeur a également été prévenu avant l'émission et que les équipes de Quotidien ont tenté de rentrer en contact avec les attachés de presse suite à ces accusations. Elle termine en défendant son métier et son émission, si je prends le temps de clarifier ici, si est-il pour ne pas que ça discrédite tout le travail qu'on fait depuis 2 ans et demi. Et aussi, parce que la rapidité avec laquelle tout ça a pris une telle ampleur est vertigineuse et peut donner matière à réflexion. Un message que Yann Barthès approuve puisqu'il a félicité la jeune femme pour son professionnalisme. Tu travailles très bien, déclare-t-il à son interlocutrice qui conclut, si est-il gentil Yann. Complément d'information sur la chronique de jeudi dernier hashtag quotidien pic. Twitter.com/xfjlfx2, quotidien@officiel, février 13, 2023 à lire aussi c'est du vol, Ambre Chalumeau, Quotidien, accusé de plagiat par l'autrice Racha Belmehdi.